Les marchés de gros, on est les acteurs incontournables au sein des métropoles pour la distribution alimentaire, et notamment sur la souveraineté où on en parle de plus en plus. Ces marchés qui ont été créés dans les années 60, aujourd'hui retrouvent tout leur sens. C'est un outil essentiel. Pourquoi ? Parce qu'on retrouve à la fois des carreaux producteurs et à la fois des grossistes. Et les grossistes sont aujourd'hui de plus en plus importants dans cette chaîne alimentaire. Pourquoi ? Parce que ce sont eux qui vont aller sourcer, ramener sur le marché de gros et après permettre de les vendre dans nos commerces de proximité ou sur les étals sur les marchés. C'est un lieu incontournable. Pourquoi ? Parce que pour la massification, les producteurs peuvent venir sur un seul lieu, vendre sur le carreau, et donc ça permet aux commerçants de venir sourcer sur le dernier kilomètre sur cette plateforme. On est donc aujourd'hui à la croisée du chemin entre le monde rural et le monde urbain. Et il est important pour la souveraineté qu'il y ait ce lien qui se fasse entre les métropoles et la ruralité pour éviter de scinder entre opposés le monde rural et le monde urbain.